une réforme antisociale. Aujourd'hui, on s'est rassemblés pour une réforme antisociale. La rente a démarré à l'Assemblée nationale. Injuste et schizophrène. Tous les avis sont concernés, ce qui me donne du boulot. Le cité démographique, on le sait. Le dîner, c'est sa seule priorité. Avec un dîner, le dîner, c'est sa seule priorité. Pour lui, c'est beaucoup plus vital et dit l'intérêt général. Pour le peuple russe de devoir encore
affronter des chars allemands juste 80 années après la fameuse bataille de Kursk. La menace de feu nucléaire est non seulement bien réelle, mais désirée par ceux censés gouverner pour les peuples, mais qui en vérité œuvrent contre les peuples. Alors le temps n'est plus aux guerres de cochers. Nous devons à présent tous nous unir par ce combat, parce que c'est la seule chose à faire. Monsieur Poutine affirme avec raison que cette guerre est aussi une guerre de religion, une guerre sainte. Alors oui, de tout temps, les religions ont divisé les peuples, mais la foi les rassemble. Alors quelle que soit votre religion, gardez la foi et rejoignez votre combat pour écarter ce pseudo-dirigeant, cette marionnette de la cité de l'homme. On est là, même si Macron le joue. Ces hommes qui ont risqué la cour martiale parce que c'était la seule chose à faire. République aujourd'hui, par les actions malveillantes de cette caste politique de voyous, est à l'agonie. Je rappellerai aussi que les troupes engagées à cette époque étaient étrangères, suisses, allemandes, et que ce contexte ressemble fort au recrutement de l'Orogène Fort, composé pour l'essentiel de troupes de l'Est, ukro-nazis ou polonais, des troupes qui ne parlent pas un mot de français, qui ne connaissent pas notre culture, et qui ainsi n'hésiteront pas à nous massacrer si l'ordre leur est donné. Et il le fera. J'en veux pour preuve les nouveaux blindés Centaure, commandés à grands frais, non plus équipés de canons à eau, mais de mitrailleuses et de canons, de véritables hachoirs à viande, conçus dans un seul but évident, mater dans le sang toute opposition à leur volonté d'asservissement des peuples. Ils ne savent que trop bien que nos gendarmes français ont bien trop de bon sens pour tirer sur leur propre peuple, leurs camarades et maintenant leurs frères d'armes. L'armée française ne fait pas de politique, mais elle est l'instrument de cette politique qui aujourd'hui est illégitime et illégale. Ils doivent alors continuer à la suivre ou bien suivre le serment devant l'Éternel. Non, c'est pas notre credo. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces traîtres. Monsieur Macron disait, s'il y a un responsable, c'est moi. Le genre humain, c'est la lutte finale. Trouvons-nous les deux mains, la Avance un peu Nico, avance un peu Nico. Avance encore un petit peu. C'est bon ?
tous ensemble, tous ensemble. Vas-y, allez, tranquille. Ok. Allez, c'est parti, on y va. On se baisse. On se baisse. Les téléphones portables. Les téléphones portables. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les téléphones? Vous êtes prêts? Attention. Attention, ça va sauter. Rapprochez-vous. Laissez-vous. Laissez-vous. 1, 2, 3, sautez. Alors sautez plus haut. On recommence. Allez. Attention, attention, attention. Est-ce que vous êtes là? Sortez les Snapchat, sortez les téléphones. Montrez ce que c'est une manifestation de la CGT. Les cheminots, c'est comme ça que ça se passe avec les cheminots de Paris Nord et de Paris Est. Vous êtes prêts? On se baisse, Paris Est. On se baisse, on se baisse, on se baisse. On se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse. Attention, attention. Et sur les côtés là. Sur les côtés. Attention. 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 Sautez. Thank you.
Allez, on va se faire derrière. Allez, on va se faire derrière.